reborn. Ha! Hein? Ouais. Ah, les filles d'aujourd'hui, vous devenez de plus en plus dangereuses. Hein? Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Si vous vous souvenez bien, j'ai fait un jour une vidéo où je vous ai clairement annoncé qu'il y a un milliardaire PDG d'une chaîne de télévision qui a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Et il a été retrouvé avec des blessures sur le cou. En fait, quelqu'un doit appliquer plusieurs coups de couteau sur le cou. Et la personne a retiré de l'argent sur son compte au point où on lui demandait maintenant des informations supplémentaires. Maintenant, nous, on cherchait à savoir qui est-ce que c'était au juste. La gens dit que, oh, c'est sans doute une de ces petites go qu'il a rencontré ou bien avec qui il fait les trucs. Et il a décidé d'aller à l'hôtel ce jour-là, à son 50e anniversaire avec elle, juste pour faire les business, comme vous savez, ces champs. Et c'est là-bas, ça a mal tourné. Les gens ont cherché partout. Et finalement, finally, ils ont retrouvé la fille. La fille, quand vous la voyez, yay! Elle est jolie. Elle est calme. Elle paraît inoffensive. Mais quand vous dites que c'est elle qui a fait ça, vous n'y croyez pas. Si vous montre le corps et l'état du corps du monsieur, non, c'est pas bon. Il ne faut pas que je vous montre ça. Ah! Non, c'est grave. Elle a gâté le coin même. Le corps est rempli de coups et blessures. Allons voir ça. Âme sensible, vous abstenir. Mes frères et soeurs, prenez votre natte et asseyez-vous à terre parce que ça, c'est pas du jeu. Si vous aimez bien chercher les filles, que vous voulez bien vous amuser avec les filles, juste pour passer du bon temps, que cela vous donne de bons conseils dans la vie. De bons conseils, mes frères et soeurs. Souvent, il faut se contenter de ce que Dieu nous a donné. Si vous avez une bonne femme à la maison, passez du bon temps avec elle et que ça vous c'est suffit, que vous n'allez pas plus loin. Sinon, vous risquez de rencontrer la mort. C'est ce que ce monsieur a rencontré après avoir envoyé cette petite et jolie fille à l'hôtel. Hé, Seigneur, regardez comme elle est. Elle paraît inoffensive. Comme si elle ne pouvait faire du mal à une mouche. Regardez. Vraiment. Elle n'avait pas eu le temps de se maquiller. Elle n'avait pas eu le temps de mettre des perruques sur sa tête. Regardez, elle est naturelle. Elle est naturellement belle. Sans doute, c'est ce qui a attiré le regard de ce monsieur. Mais il ne se doutait pas que Ève était de retour avec le diable. Hey! Et lui a laissé la vie. Regardez. Les gens ont attrapé la fille. Les gens sont de nous poser des questions, toutes sortes de questions qui n'ont aucun sens. Et les gens s'attendent à ce que la fille leur donne une réponse. Ils leur posent la question, des questions en anglais. J'essaierai de faire la traduction, mais ça ressemble à des choses du genre. Pourquoi est-ce que c'est passé? Pourquoi est-ce que tu es arrivé jusqu'à le tuer? Et pourquoi est-ce qu'on a retrouvé plus de 3 millions sur toi? Il pose la question de la vie, hein? Mais pourquoi est-ce qu'on a retrouvé plus de 3 millions sur toi? Qu'est-ce que tu faisais ça? Quel genre d'activité tu fais pour avoir 3 millions? Mais est-ce que tu as retiré de l'argent sur son compte? Tout ça. Apparemment, la fille a dit que non, Jean, il tentait de coucher avec elle, mais elle ne voulait pas. Et puis, ça a mal tourné. Nanana. Le monsieur, moi, il ne peut pas se lever pour venir parler. Cette affaire va aller où maintenant? Mais quand je vois la fille, elle est tellement jeune. Je pense qu'elle a 21 ans. Regardez. Elle est belle, ou? Enfant des gens belles comme ça. Hein? Désormais, on doit se méfier des jolies filles.
Tout simplement, c'est méfier des jolies filles. Les jolies filles du pays, là, vous êtes dangereuses, vous êtes dangereuses. Ah, c'est méfier de vous maintenant. Après avoir vu ça, il faut se méfier. C'est pas de la blague, c'est pas blanc. Regardez, 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 regardez comment elle est belle. Les gens sont tellement surpris, hein, qui sont en train de l'interviewer. Écoutez. Elle dit qu'il a fermé la porte. Apparemment, c'est elle qui a finalement appelé la police après avoir entendu qu'elle était recherchée. Donc elle s'est rendue. C'est là où on a pu la voir. Juste comme ça, hein. Eh, Seigneur, 2021. 2021 Mes frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec genre l'année. Ça n'a rien à voir avec le jour. Nous sommes dans un monde qui est gâté depuis longtemps. Il faut faire attention, ça où on met les pieds. Voici la fille qui a dit que non, le monsieur voulait coucher, elle ne voulait pas. Maintenant, voici la fille là. Vous lui posez des questions là, c'est par rapport à quoi? Hein? Oh? Hi? Ha? Vous lui posez des questions, c'est par rapport à quoi? Vous voulez que vous attendez à ce que vous dites quoi? Vous attendez à ce que vous dites quoi? Hein? Le monsieur Yambo là. Le monsieur Yambo. Alors qu'il fêtait son 50e anniversaire, c'est là il est parti. Si. La fin de quelqu'un, c'est quand même important. Finir sa vie là, c'est quand même important. Tu te retrouves avec une petite go dans une chambre d'hôtel. Et ce jour-là, la fille va te poignarder dans tous les sens. Et c'est fini. Va retrouver ton corps déshabillé dans une chambre d'hôtel. La vie d'aujourd'hui. Alors que le monsieur, hein, il a une femme à la maison, il a des enfants. Mais sa femme là, elle a l'argent comme c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait avec une fille comme ça? Une petite fille. Est-ce qu'il voulait juste aller prendre de l'air? Il voulait juste aller prendre de l'air. Passer du bon temps. Vous êtes là souvent, vous allez vous faire à la maison, vous voulez aller voir dehors. Ou tu veux aller mettre ton nez là dehors. Pour voir quelle sauce qui sent bon dehors là. C'est quelle sauce qui peut pas la même.
Ton papa, tu as là, ça a tombé sur toi, sur ta tête un jour. Donne-lui le compte là-bas. Hey, regardez. Regardez. Et elle a attrapé aujourd'hui, c'est bon, je veux dire les gens qui seraient dans la police. Regardez. Regardez. Et là, c'est de la filmer. Elle est une star comme ça. Elle est une star. Elle va à l'école. Elle est étudiante. Regardez. So here she is, and that's super silly. She's been taking away now. Oh, no, no, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Here she's about to be taking away now, and. Elle est montée dans la voiture de la police. Oh non, vraiment, la vie de débauche. Quand Dieu nous dit d'éviter la vie de débauche, là, non, c'est à coup de tout ça. C'est pas de la blague, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Genre, il y a les gens sur la tête, c'est quand ils ont de l'argent, là, on ne peut plus respirer. Tous nos petits gauches du quartier, là, il veut toutes les ramasser pour partir. Quand tu as ramassé pour partir, tu vas nous laisser quoi? Tu vas laisser quoi ici? Maintenant, regarde ce qui s'est passé. La fille, 21 ans seulement. 21 ans. Son visage est déjà sur les réseaux sociaux. Ah! Quand je vois ça, je me dis, Jay, qui va épouser la fille là demain? Regardez. Qui veut pousser la fille à demain ou demain qui va le pousser? Quand il va attendre son passé, même cette histoire, c'est le plus courageux voit sa peau s'y approcher. Ça fait peur. Même la voix vis-à-vis, même là, ça donne les frissons. Parce que quand vous regardez les dégâts qu'elle a causés sur le corps du monsieur. Aïe aïe aïe. Ça craint. Tiens, elle a dansé sur son corps même. Vraiment, le monde fait peur. Le monde fait vraiment peur. Si vous voyez les gens, ne regardez pas la beauté. Leur beauté là, ça ne veut rien dire. Si vous voyez les gens, ne regardez pas leur apparence. L'apparence là, ça ne veut rien dire. C'est ce qui se trouve dans l'esprit. Et ce qu'une personne est capable de faire là, c'est ça qui doit vous intéresser. Quand une personne est en colère, jusqu'à où elle peut arriver? Faites attention. Et puis, ne poussez pas les gens à bout. Si tu as venu la fille dans la chambre d'hôtel, elle dit qu'elle ne veut pas. Il faut la laisser partir. Il faut laisser affaire avec affaire à te laisser. Là, là, vous voulez qu'on dise quoi? Le monsieur dit à mort. Sa femme. Elle sera obligée de refaire sa vie. Ses enfants. Il faut. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas facile. Et ça ne sera pas facile. Quand je vois la fille encore, je me dis vraiment. C'est vraiment pas tout ce qui brille que de l'or. Il faut faire attention. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillon bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez quoi que ce soit.